La présence de ces organisations aujourd'hui nous démontre l'ampleur qu'est la rentrée scolaire. Malheureusement, l'implication de ces organisations n'est pas suffisante, car la sécurité lors de la rentrée scolaire, c'est l'affaire de tous et toutes. En effet, chaque piéton, chaque automobiliste, chaque citoyen, chaque parent peut contribuer en s'assurant d'avoir des comportements sécuritaires lors de leur déplacement. Céder le passage aux piétons devant un passage pour piétons, devant un feu vert ou un feu pour piétons, avant de tourner à droite à un feu rouge, devant un panneau d'arrêt, devant un panneau d'arrêt tenu par un brigadier scolaire. Également, il est important de créer un contact visuel avec le piéton ou le cycliste, de respecter les limites de vitesse et de respecter la signalisation, dont ceux d'arrêt interdit. Mais je dois quand même préciser que c'est une industrie qui est sécuritaire, c'est une industrie qui nous offre une excellente collaboration. On le voit dans les différentes campagnes de sécurité. C'est une industrie avec qui on communique régulièrement. Donc, je tenais à réitérer ce message-là. Puis, c'est d'autant plus important que la sécurité routière au Québec, ce n'est pas une affaire du corps de police de Gatineau ou du contrôle routier. C'est une affaire de l'ensemble des partenaires, autant du mécanicien de véhicule lourd, autant du conducteur. Et on le voit maintenant aujourd'hui avec la collaboration des conducteurs.